objet à collecter sur Sargasso, la seconde planète de notre jeu. Attention, vous ne pouvez pas tout choper du premier coup lors de votre première visite. Vous allez être bloqué, notamment. Vous savez qu'il va vous rester des boulons d'or, des choses comme ça à aller chercher, mais aucun indice ne vous est donné. À partir du moment où vous terminez la troisième planète, vous êtes contacté comme quoi il y a une mission secondaire facultative sur cette planète. Vous y retournez, notamment la petite bestiole qui a à l'écran va vous demander de récupérer des petites pierres sous forme de fleurs. Elles sont au nombre de 60 et en fait à chaque palier vous allez pouvoir terminer la collecte de l'ensemble de ces objets. Donc j'ai une première partie relativement classique et vers la fin il va vous falloir aider votre ami pour pouvoir récupérer les derniers objets qui vous manquent. Voilà le dernier scarabée qui file dans cette espèce de faille. Intéressant. Le vent doit aussi intégrer une longe dimensionnelle. Et quel ça marche, c'est vraiment le même. C'est quoi cet endroit? Je dirais une poche dimensionnelle. Peut-être un des symptômes de la destruction causée par le dimensionnateur. Mais d'où est-ce que tu sors tout ça? Le robot a tout fait des morques. Il a dû entrer dans la faille sans faire attention. Là, le scarabide. Oh non, te cache pas. Oh. Oups. Oh là là. Voilà. On peut mettre les objets récupérés par notre collègue. Pas rigolé. Marrant. Il y a une feuille là-haut. Petit boulon. Mec, il y a tout là-haut. Salut, beauté. Les moindres recoins. Est-ce que c'est parce que j'en ai eu 5 hein? C'est de la bombe. Moi. Pourquoi refuses-tu de me faire confiance? Écoute, je suis pas fan des robots. Surtout quand ils sèment le chaos dans ma galaxie. Ce n'est pas mon cas. J'essayais d'aider Ratchet à trouver les autres Lombax. On le saura bien assez vite. Il me suffit de vous scanner, toi et l'inforobot que j'ai trouvé à Nefarious City.
ces explosifs. Je dois faire attention. Parce que si je donne un coup de marteau dedans... Ah ouais, et puis ça va péter... Oups. Oh, wow, wow. Une bonne chose de faite. Ouais. Faites péter la figure. C'est bien, il a fait un cabriolet notre appart. Krieger, bien retrouvé. Pas été trop parlant. Regardez un peu au loin. Quelqu'un doit chercher ses caisses. Démerde-toi. Ah, ça y est, j'ai ma récompense, elle est là-haut. Ouais, faut pas que je le visse, sinon ça va aller chercher l'autre taré. Ok. C'est dans là. C'est sur Pierre dès que tu auras une minute. Compris. Au fait, Mork, ça te rappelle rien, cette livraison de sur Pierre? Oh, tu parles de notre première rencontre. J'étais livreuse à l'usine de gélatonium pour gagner de quoi m'offrir une planque à moi. Oh, je faisais des heures pas possibles. Tu en as fait du chemin depuis hiver. Et je me dis chaque jour que j'ai eu beaucoup de chance de t'avoir rencontré. À plus tard. Depuis quand connais-tu Mork? Ouais, depuis mon enfance. Je sais qu'il est un peu bizarre, mais c'est quelqu'un de bien. Ah.
Après... Il y en a un paquet, hein. Bon, on va aller choper nos bottes, déjà. Mazette, visez-moi toutes ces urpières. Et comme promis, ces bottes de Ranger sont à toi, Rivette. Notre petite Trudy est un vrai estomac sur pattes. Alors, si tu trouves toutes les urpières qui restent, je te donnerai également ce robot espion-tête. Bah voilà, on sait où ils étaient. Répète-moi ça, Trudy. Tu veux aider Rivette à trouver les urpières? Ma foi, tu l'as entendu. Grimpe sur son dos quand tu seras prête à y aller. Bien. Avec l'aide de Trudy, ce sera un jeu d'enfant de trouver le reste des urpières. T'imagines pas à quel point ça me fait chaud au cœur de voir que Trudy a retrouvé la forme. On a chopé un nouvel armure, c'est le fin nouveau set. Boulons gagnés. Le petit dernier. Voilà. Ma parole, Rivette, tu as trouvé toutes les urpières. Je n'ai plus qu'à te préparer le robot espion que je t'ai promis. J'y crois pas. Ouais, usine de l'atomium, me voilà. Oh, tiens, pendant que j'y pense... T'imagines pas à quel... Oh, mon porc. Vis un peu toutes ces urpières. Tu l'as amplement mérité, ce robot espion. En combien de temps Trudy va-t-elle tout manger? Oh, 5 jours, 6 grand max. Et comme Marc dit toujours, on verra bien le moment venu. Bien, salut Rivette, comment ça va? On y va Trudy. Alors... Bon bah, on va pas trop se déplacer, hein. Il est juste là. Un boulon en or de plus. Nice. Bon bah, moi qui allais regarder ici, par là, pas trop la peine. Bon bah bien, on a tout vu.